Mesdames et messieurs, merci de prendre place. Alors, j'ai eu l'occasion de partager avec vous mon émotion d'être à la tribune du Sénat ce matin. Certains ici penseraient même qu'un membre de l'Assemblée nationale qui s'exprime à la tribune du Sénat, c'est déjà une promotion. Mais alors là, présider une séance dans l'hémicycle du Sénat, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent, je dirais, la classe, la grandeur et le talent du président actuel du Sénat, M. Gérard Larcher, mes épaules sont affectées d'un poids extrêmement important. Donc je tiens d'abord, un, à le saluer, puisqu'il nous regarde sans doute, et deux, à partager mon émotion d'être à cette place. Vous savez que le président du Sénat, en France, c'est le deuxième personnage de l'État. Et donc je suis très honoreux d'être à cette place pour présider cette deuxième session de notre conférence interparlementaire thématique sur l'autonomie, stratégie et économique. Avant d'écouter Madame Sophie Prima qui introduira notre session et notre intervenant Monsieur Pitron, je vais dire quelques mots pour vous rappeler évidemment que dans le contexte géopolitique actuel, l'autonomie énergétique de l'Union européenne n'est plus seulement un enjeu d'avenir, on l'a vu d'ailleurs ce matin, mais s'impose désormais à nous comme un objectif vital. Il devient en effet urgent de sécuriser nos approvisionnements en énergie fossile auprès des pays tiers, en réduisant en particulier une dépendance au gaz russe qui ne cessait de croître. Cet objectif, nous l'avons dit ce matin, a été discuté longuement au sommet européen organisé par le président de la République la semaine dernière. Toutefois, la réponse la plus efficace et la plus durable passe évidemment par la diversification des sources d'énergie alimentant l'Union européenne et la diminution de nos consommations d'énergie fossile. L'Union européenne s'est heureusement engagée dans la transition énergétique avec la plus grande ambition. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en parler lors de la prochaine conférence interparlementaire, organisée cette fois-ci par l'Assemblée nationale, le 21 mars prochain. Mais décarboner nos industries, nos transports et produire de l'énergie à partir de sources renouvelables nécessite de faire appel à des technologies qui requièrent des métaux rares, qu'il s'agisse notamment de fabriquer des panneaux solaires, de développer des infrastructures de recharge ou de stockage, ou de produire de l'hydrogène par électrolyse. Nous ne savons pas, j'ose espérer, nous ne savons pas encore, nous ne savons pas nous passer de cuivre, d'aluminium, de lithium, de cobalt, de nickel et de terres rares. Notre invité, M. Guillaume Pitron, journaliste et auteur de La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique, nous alerte sur les problématiques posées par notre recours croissant aux métaux rares, à commencer par leur rareté, évidemment, ils portent bien leur nom, mais aussi face à une demande mondiale en augmentation exponentielle. Des approvisionnements essentiellement extra-européens, en particulier, nous les retrouvons, chinois et russes, et donc soumis aux aléas géopolitiques, sans parler de leurs conditions d'extraction qui ne répondent pas toujours aux normes environnementales, sanitaires, voire même sociales européennes. La présidence française de l'Union européenne a donc souhaité poser la question stratégique de la dépendance de l'Union aux métaux rares. Cette question n'a pas encore été réellement travaillée par l'Europe, elle est néanmoins cruciale pour réussir son objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 et faire aboutir ses stratégies sur les batteries, l'hydrogène ou l'intégration du système énergétique communautaire. Et ce, sans dépendre excessivement des pays tiers qui peuvent faire jouer la concurrence internationale ou utiliser ces minerais comme arme de guerre économique. Cette question est également fondamentale pour ne pas faire de la transition énergétique une nouvelle cause de dégâts irréversibles pour notre planète, faute de recours raisonné à des matériaux très rationnés. Quels seront donc les besoins à venir et comment l'Europe pourra-t-elle y répondre? Plus fondamentalement, comment peut-elle reconquérir une certaine autonomie en la matière? Autant de questions majeures qu'il importe désormais de travailler ensemble. La France, par exemple, vient de se donner comme double objectif d'améliorer le recyclage de ces matériaux stratégiques, mais aussi de renforcer l'exploitation de ce potentiel minier. Il me semble évidemment utile d'étudier ces pistes à une plus grande échelle, de quels gisements potentiels dispose notre continent, comment les gérer avec intelligence et dans le respect des plus hauts standards environnementaux, sociaux et sanitaires,
Comment développer une économie circulaire qui optimise les consommations européennes de pays rares ? Les sujets à explorer ne manquent pas. Comme promis, mes chers collègues, je donne la parole à Madame Sophie Primas, présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes chers collègues, la guerre conduite par la Russie en Ukraine a fait bondir le cours du gaz, du pétrole. Elle pose le redoutable problème d'approvisionnement énergétique de l'Europe. Et je me félicite à cet égard des réflexions et des objectifs qui ont été fixés par les chefs d'État et de gouvernement à Versailles à propos de notre dépendance aux combustibles fossiles russes. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cette guerre a également fait bondir le cours de trois métaux en provenance de Russie qui sont indispensables à nos industriels, en particulier dans la fabrication de batteries électriques, l'aluminium, le palladium et le titane. À l'heure où l'Europe entend accélérer en direction de la transition énergétique, cela nous rappelle la vulnérabilité induite par cette transition sur le plan de l'approvisionnement en métaux critiques. En effet, le paquet ajustement à l'objectif 55 fixe à l'Union européenne et à ses États membres des objectifs très ambitieux de décarbonation incontournables pour la préservation du climat afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre dès 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ceci est d'ailleurs l'une des conditions ou d'ailleurs l'une des solutions à la fin de notre dépendance aux importations russes d'hydrocarbures. Transition écologique et indépendance stratégique vont ainsi de pair. Elles conduisent l'Europe à devoir notamment accroître son effort en faveur des énergies renouvelables. Pour ce faire, l'Union européenne, avec ce paquet ajustement à l'objectif 55, prévoit une révolution copernicienne dans le domaine de l'énergie, sur un triple plan. Le plan de la production, avec les énergies renouvelables, des usages, avec l'électrification des bâtiments, des industries et des transports, et du stockage avec l'hydrogène. Or, si cette transition énergétique est nécessaire, elle présente une face omise du débat public, la dépendance minière. En effet, nos panneaux solaires, nos pales d'éoliennes, nos batteries électriques, nos électrolyseurs d'hydrogène nécessitent pour leur construction le recours à des métaux rares qui sont émissifs, qui sont importés et qui sont coûteux. Je veux ici être précise pour que l'on comprenne bien. On dénombre 15 grammes de terres rares dans tous nos smartphones, dans chaque smartphone bien évidemment, 5 kilos dans une batterie électrique et 600 kilos dans une éolienne en mer. Ce n'est pas rien. Pour la France, réseau de transport d'électricité évalue les imports annuels de minerais nécessaires à notre système électrique jusqu'à 17 kilotonnes pour les terres rares, 70 pour le cuivre, 150 pour l'aluminium, 1700 pour l'acier. A contrario, je note que l'énergie nucléaire ne suppose que 5 kilotonnes d'uranium par an. C'est un sujet majeur et c'est pourquoi nous avons souhaité, avec le président Lescure, en débattre avec vous aujourd'hui. Dans ce contexte, l'Union européenne et ses États membres me semblent devoir relever 5 défis que je soumets à votre réflexion. Le premier défi est celui de la hausse des prix, car le recours aux métaux rares emporte un risque inflationniste. Pour preuve, le cours du cuivre a cru de 20%, celui de l'aluminium de 70% en un an et celui du lithium a été multiplié par 3 en un an. Cette hausse conjoncturelle pourrait se muer en hausse structurelle à mesure de l'avancée de la transition énergétique. Le deuxième défi est celui de la hausse de la demande, qui pose le souci de la concurrence pour l'accès aux ressources, comme l'a dit le président Lescure, avec d'évidents risques de pénurie. En effet, les besoins en cuivre pourraient être multipliés par 2, ceux du nickel par 3, ceux du lithium par 42 d'ici 2042. Des risques de pénurie existent également s'agissant de certains métaux rares, le cuivre, l'aluminium, le nickel et certaines terres rares à l'instar du néodyme. Cette concurrence constitue un risque géopolitique extrêmement important. Le troisième défi est celui de la dépendance aux pays producteurs. Dans la mesure où la production mondiale de métaux rares
est concentrée dans des pays ne respectant pas nécessairement les mêmes standards économiques, sociaux et environnementaux que l'Europe. 50% de la production de cuivre provient du Chili et du Pérou, 40% de celle de l'aluminium et 60% de celle de terres rares de Chine, 50% de celle de cobalt de la République démocratique du Congo, sans parler bien sûr de la Russie qui nous fournit en métaux stratégiques, en aluminium, en nickel, en palladium, en titane. Le quatrième défi est celui des externalités négatives, car la production de métaux rares est source elle-même d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution pour l'environnement et de nuisances pour les populations. À titre d'exemple, la production d'aluminium dans le monde représente 1% des émissions de gaz à effet de serre. Le dernier défi est donc majeur, c'est celui de l'économie circulaire, car il nécessite, en lieu et place des importations de métaux rares, de favoriser leur production en Europe, d'innover pour réduire leur consommation, chers collègues irlandais, ou encore de développer leur recyclage et leurs déchets. Or, actuellement, les batteries électriques sont recyclées uniquement à hauteur de 10%. Cette situation est susceptible d'entraîner des bouleversements géopolitiques majeurs. L'Europe est encore trop en retrait sur ce sujet. C'est tout le paradoxe, car nos objectifs liés à la transition énergétique sont les plus ambitieux du monde, alors que notre politique minière est très peu développée, si ce n'est même débattue dans nos hémicycles. Une prise de conscience et un changement de politique est donc absolument crucial sur ce point. C'est pourquoi la Commission des affaires économiques du Sénat, que j'ai l'honneur de présider, a fait adopter un objectif de souveraineté minière dans le cadre de la dernière loi climat-résilience adoptée en France en 2021. Afin de réaliser concrètement et totalement le changement pour identifier et prévenir la dépendance minière de la transition énergétique, quelques évolutions me semblent devoir être évoquées dans nos débats. Tout d'abord, nous pourrions compléter nos stratégies européennes et nationales en faveur de la sécurisation de l'approvisionnement en métaux stratégiques, afin d'identifier les métaux critiques, leurs pays producteurs, leurs coûts économiques et leur impact carbone. Ensuite, il convient de soutenir les projets miniers afin de relocaliser les chaînes de valeur en matière minière, de l'extraction à la transformation des métaux, à la collecte et au recyclage des déchets. Pour ce faire, les aides budgétaires ou fiscales en direction de ces projets pourraient être dynamisées. Une boîte à outils, comme l'a dit tout à l'heure notre commissaire européen, pourrait être mise en place au niveau de l'Union européenne en faveur des États membres. Enfin, il me semble nécessaire d'inscrire l'activité minière dans les enjeux du siècle, un impératif de développement durable, une logique d'économie circulaire et d'écosystèmes territoriaux. C'est pourquoi le concept de mine durable devrait être promu dans les normes et dans les labels européens. Voici quelques éléments de réflexion, mais je me réjouis que nous recevions M. Guillaume Pitron. Je ne vais pas redonner toutes ses qualités et l'étendue de ses œuvres, mais ses travaux traduits dans plusieurs langues sont le fruit de 10 ans de travail. Vous nous mettez en jeu les enjeux économiques et environnementaux liés à la transition énergétique, en particulier leur dépendance aux métaux rares. Et donc, votre témoignage est lui également extrêmement précieux et extrêmement rare. Merci beaucoup d'avance. Merci, Madame la Présidente, chère Sophie. Si, je peux. Pareil, j'ai le droit d'applaudir, donc moi, je voudrais l'applaudir aussi. Monsieur Pitron, bienvenue. Je vous passe immédiatement la parole. Vous êtes journaliste, on l'a dit, et auteur de La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. Et si vous n'étiez pas là ce matin, un des membres de l'Assemblée a déjà brandi votre livre qu'il a lu assidûment. Il est là. Mais j'étais là. Vous étiez là. Eh bien, parfait. À vous. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, d'abord, c'est pour moi un très grand honneur d'intervenir au Sénat pour cette conférence interparlementaire sur l'autonomie stratégique et économique de l'Union européenne à propos d'un sujet qui, j'en suis absolument convaincu, s'annonce comme un enjeu écologique, économique et géopolitique majeur des 30 prochaines années. Je suis journaliste, ça a été dit, mais je suis journaliste de terrain. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai voyagé sur 4 continents
pour essayer de prendre la mesure des nouveaux défis qui sont charriés par un monde plus vert. Un monde sans carbone, ou un monde bas carbone, en tout cas un monde dans lequel nous aurons moins besoin de pétrole et de charbon, est un monde de métaux. C'est un monde de métaux abondants, il va falloir beaucoup de cuivre pour réaliser la transition énergétique. Il faut jusqu'à 16 tonnes de cuivre pour une éolienne, notamment parce qu'il faut la raccorder au réseau électrique. Mais il faut également beaucoup de cuivre pour une voiture électrique, il faut jusqu'à 4 fois plus de cuivre pour une voiture électrique que pour une voiture thermique. Et puis, la transition énergétique, le monde bas carbone, est également un monde de métaux dits rares. Pourquoi on les appelle rares? Parce qu'ils sont plus rares que les métaux abondants, parce qu'ils sont très dilués dans l'écorce terrestre. On en trouve partout sur Terre, mais il se trouve qu'effectivement, ils sont plus difficiles à extraire que les métaux abondants. Et ces métaux sont souvent appelés des métaux critiques, parce qu'il y a un risque de pénurie d'approvisionnement compte tenu de la concentration de ces métaux, de leur production, compte tenu de la concentration de leur production dans certaines zones bien particulières du monde, comme l'Afrique du Sud, ou bien le Chili, la Bolivie, l'Argentine, mais également la Chine, cela a été mentionné, la Russie, notamment pour le palladium, par exemple. Et l'Europe a dressé une liste, dresse depuis 2011, une liste de métaux critiques. Aujourd'hui, il y en a un peu moins de 30, qui notamment inclut le lithium, le cobalt, le palladium, mais également l'indium, le gallium, des mots, des noms, souvent des métaux aux noms exotiques. Et puis il a été question des terres rares, qui est une classe de métaux rares, et notamment le néodyme qui se trouve dans votre téléphone portable, mais également dans les moteurs des voitures électriques, et qui lui aussi est un métal critique. Les États-Unis viennent également, quelques semaines de cela, de mettre à jour leur liste de métaux critiques, et leur liste de métaux critiques contient dorénavant 50 matières premières minérales. Donc c'est dire l'inflation de ces matières premières qui sont sujettes à des risques d'approvisionnement. Hors de ces métaux, messieurs, dames, messieurs les parlementaires, mesdames les parlementaires, il n'en a jamais été question dans les accords de Paris. Si on relit les 27 pages de l'accord de Paris, jamais il n'est fait un instant mention des mots métaux, ressources minières, mines, et ainsi de suite. Et la question, c'est où est-ce qu'on va aller chercher ces métaux? À quel coût pour l'environnement? Est-ce qu'il y a des gagnants d'ores et déjà et des perdants sur l'échiquier des métaux rares et stratégiques, comme il y a eu des gagnants et des perdants sur l'échiquier du pétrole? Et c'est là qu'il faut s'intéresser aux enjeux écologiques de ces matières premières. Et personnellement, je me suis à plusieurs reprises, pendant plusieurs années, rendu dans les mines de terres rares notamment, et de graphite également, un minerai stratégique en Chine. Et ce que l'on voit là-bas est absolument, absolument effrayant. On parle de métaux qui ont été raffinés dans des conditions qui sont parfaitement non respectueuses de l'homme et de l'environnement. Les rebuts sont rejetés directement dans la nature. Autour, on trouve des villages du cancer. On parle de maladies des os de verre, c'est-à-dire que les os des populations, des gens qui vivent autour de ces zones industrielles se cassent plus facilement. Et ça, ce sont des officiels qui le disent. Et une spécialiste chinoise des terres rares, un jour m'a dit, la Chine a sacrifié son environnement pour fournir des terres rares au reste de la planète. Nous n'en avons pas conscience, parce que les mines ne sont pas ou pas ou ont pas beaucoup chez nous. Nous avons à un moment, et cela a été dit par monsieur le député, nous avions ces mines, nous avions les usines de raffinage de terres rares notamment, mais comme les coûts environnementaux étaient trop élevés, nous avons préféré délocaliser la pollution de ces métaux, et ce faisant, nous avons délocalisé la pollution des technologies vertes. Nous avons délocalisé le fardeau de la transition énergétique qui est supporté par d'autres pays que nous, et nous n'avons pas conscience de cette pollution parce que finalement la pollution se trouve très loin, elle est éloignée, elle est invisibilisée, et pardon de vous le dire de façon aussi franche, mais de la sorte, le monde de la transition énergétique s'organise entre ceux qui sont sales et ceux qui font semblant d'être propres. Mais ce faisant, cela génère un enjeu économique, puisque nous transférons la production à d'autres pays miniers, et notamment la Chine, qui est le leader de la production des métaux rares et critiques, alors en fait, la Chine devient un grand producteur majeur de ces matières premières, qui sont stratégiques. Elle devient, si je puis le dire, l'Arabie Saoudite des métaux rares et critiques. Et la Chine ne va pas nous vendre les métaux à 1 euro le kilo. Elle veut remonter la chaîne de valeur et nous vendre les aimants, les batteries, les voitures électriques, les éoliennes, les panneaux solaires, qui contiennent un métal critique qu'on appelle le silicium métal. Elle veut vendre le produit avec la valeur ajoutée de façon à rééquilibrer à son profit la balance commerciale. Et donc nous sommes dans une situation de dépendance à la Chine, bien plus grave sur ces matières premières que la dépendance au pétrole russe. Il faut bien prendre conscience de cela. Il y a un enjeu géopolitique
Où allons-nous chercher ces matières premières? Quelle diplomatie minérale demain pour aller sécuriser ces ressources, que ce soit pour l'Europe, mais également pour la Chine, qui n'a pas toutes les matières premières? D'où la raison pour laquelle la Chine est très présente, notamment en Afrique, et je pense en particulier en République démocratique du Congo, puisque c'est là qu'on extrait notamment le cobalt, qui est stratégique et critique. Et donc il y a une géopolitique d'un monde plus vert, sur laquelle je pourrais m'étendre pendant des heures, mais je n'ai pas le temps, mais qui est absolument fascinante. Le risque existe, mesdames et messieurs les députés, qu'en fait, nous ne résolvions pas vraiment les défis de l'âge thermo-industriel, mais que nous soyons plutôt en train de les déplacer. Et nous les déplaçons des champs de pétrole vers les mines de ces métaux stratégiques, en y retrouvant au XXIe siècle les défis écologiques, économiques et géopolitiques qui étaient ceux du pétrole. Pourtant, cette transition, elle doit être réalisée. Et pour qu'elle soit un succès, je pense qu'il faut rentrer dans la transition 2.0. La transition 1.0, c'est la transition des accords de Paris. Décembre 2015, salon du Bourget, tout le monde s'embrasse, on pleure, on rit. Je suis très fier d'être français, mais ça c'est la transition 1.0 qui ne prend pas conscience à ce moment-là qu'il va y avoir un appel accru à toutes ces matières premières pour basculer vers un monde plus vert. La transition 2.0, ce sont les travaux concrets à entreprendre pour que cette transition soit réussie. Et selon moi, ça passe déjà par la connaissance de la vérité écologique des technologies. Il faut que nous fassions des analyses de cycle de vie. Il faut que le grand public soit conscient de ces enjeux-là et qu'il puisse mettre des chiffres et des mots et des images de la connaissance sur cette pollution délocalisée, invisibilisée. Je pense également, et ça passe notamment par tout ce que sont les sources, les chaînes de sourcing éthique, les ethical supply chain, de façon à pouvoir mieux, pour les entreprises notamment, eh bien mieux enquêter, mieux investiguer sur leur chaîne d'approvisionnement et remonter à l'origine des minerais et en connaître leur provenance. Je pense qu'il faut également agir sur les capacités de notre outil industriel à retraiter les ressources. Évidemment, il faut que l'économie circulaire se développe. Le vrai enjeu du XXIe siècle, mesdames, messieurs les parlementaires, moi je pense que c'est l'économie circulaire. C'est pas le monde plus vert, c'est le monde circulaire. Et le monde circulaire, c'est bien plus difficile à mettre en œuvre que le monde plus vert. Parce que le monde vert n'est pas automatiquement circulaire. Et ça nécessite de se faire parler tous les acteurs de la boucle d'économie circulaire. Et l'économie circulaire est une économie de la coopération. C'est une économie de la solidarité pour que l'éco-concepteur de produits numériques parle au recycleur, pour que le collecteur de métaux parle également au recycleur et pour que tous les acteurs de cette chaîne, eh bien, finalement, puissent ensemble, de concert, mieux travailler à optimiser les ressources. Il faut bien évidemment développer une diplomatie minérale et l'Europe y travaille à travers notamment le European Union Latin America Raw Material Dialogue qui est une enceinte qui se tient une arène de discussion qui se tient une fois par an, notamment en Amérique latine, et où on discute avec les pays de l'Amérique latine de qu'est-ce qui pourrait nous fournir comme type de matière première, de façon à diversifier nos approvisionnements. Et puis moi je pense, messieurs, dames, qu'il faut réouvrir des mines en Europe. Et je pense qu'il faut réouvrir des mines en Europe, pas seulement pour des raisons de souveraineté, mais également pour des raisons d'écologie. Et en fait, je pense que ce serait plus propre d'avoir des mines en Europe que de laisser les Chinois extraire les terres rares à notre place. Et est-ce qu'ouvrir des mines en Europe, ce n'est pas finalement la meilleure décision écologique que nous puissions prendre? Parce que de la sorte, nous serons souverains sur nos approvisionnements, mais plus important, nous serons souverains sur le plan écologique. Nous aurons atteint une souveraineté environnementale. Je crois beaucoup à ce concept-là. De la sorte, nos performances écologiques ne seront pas indexées sur les performances écologiques des Chinois, des Russes, des Sud-Africains ou des Boliviens. Einstein nous dit « On ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Et quelquefois, je me demande si, lorsque je vous dis tout ça, on n'est pas en train d'essayer de régler le problème avec exactement les mêmes modes de pensée qui l'ont engendré. Et comment est-ce qu'on change de mode de pensée? Eh bien, je pense qu'on le change précisément en nous retrouvant ici, en parlant de souveraineté sur nos approvisionnements, qui est un terme très neuf dans le débat aujourd'hui. Je pense qu'il faut réinventer nos modes de pensée en parlant de logique de filière, en tenant la filière depuis la mine jusqu'à la matière première, jusqu'au produit fini. C'est ce qu'ont fait notamment les Chinois depuis une trentaine d'années. En instaurant une logique de temps long, la Chine a le temps, avons-nous le temps dans notre arène politique, médiatique, je suis bien placé pour le savoir, pour précisément identifier ces enjeux à long terme, sur une génération. Et puis je pense qu'il va falloir que nous acceptions également que nous allons devoir payer le vrai prix des métaux,
nous ne payons pas le vrai prix des métaux. Il est sous-évalué par rapport, compte tenu des externalités négatives que leur production génère et qui n'est pas intégré dans le prix final. Et je pense qu'il faut aussi peut-être se faire à l'idée qu'un monde plus vert sera peut-être un monde plus cher. C'est un monde dans lequel il va falloir payer un prix supérieur pour réintégrer ces externalités négatives. Je veux quand même terminer avec une note positive, une discussion avec un industriel qui me dit « mais finalement, nous n'avons pas vraiment de problème de matière rare et critique. Nous avons surtout un problème de matière grise. » Je vous remercie. Merci, merci beaucoup pour cette intervention à la fois engageante, pas forcément, vous l'avez dit, très optimiste, mais qui se termine quand même sur une note, allez, on va dire d'espoir. Mes chers collègues, vous avez été un certain nombre à vous inscrire, et donc on va devoir limiter la durée de chaque prise de parole à 2 minutes. Et alors moi, je rêve d'utiliser cet instrument de torture qui me permet de vous rappeler quand vous dépasserez le temps, donc... Allez, à 2 minutes 10 maximum, je me retrouverai sans doute à utiliser cette règle pour taper sur le micro, ne le prenez pas personnellement, mais ça vise évidemment à tenir le temps collectif que nous souhaitons réserver avant notre déjeuner. Donc je vais à chaque fois, comme le faisait très bien Madame Prima ce matin, annoncer les deux orateurs, le premier et le suivant, pour que le suivant ou la suivante puisse se préparer. Et donc nous allons commencer avec M. Costel Neculariu Dunava de la Roumanie, mais M. Albert Vicker peut se préparer. M. Dunava. M. Dunava n'est pas là. Pareil ou je dois parler? Je dois parler. Thank you, Mr. Chair. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Nous traversons une période dans laquelle nous devons réagir à une situation totalement inattendue d'une façon souple, flexible. Il faut prévoir les crises futures et ça, c'est devenu crucial. Les ressources critiques sont rares en Europe et cela peut nous mettre dans une situation difficile. Chers collègues, au niveau européen, nous devons assurer que nos normes sociales et environnementales sont respectées. Il faut assurer la sécurité de l'approvisionnement, il faut assurer le recyclage afin de réduire la consommation et développer la production en interne. Il y a différentes actions qui sont utilisées, les PIEC, les alliances stratégiques et les task forces, et cela doit perdurer. Il faut développer et renforcer les secteurs vulnérables et notamment les matières premières critiques et le secteur médical. Il faut former aussi des alliances les plus inclusives possibles qui nous permettront de bâtir sur la base des forces de chaque État membre. La Roumanie a un potentiel important dans matières premières. Mon pays est bien placé pour contribuer à augmenter les réserves européennes de matières premières critiques. Ceci dit, nous soutenons les mesures en faveur de l'investissement et de différents fonds pour réduire les risques liés au projet et soutenir les petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent participer à des PIEC. Dans le même temps, il faut faciliter l'accès aux technologies d'avenir dans les matières premières critiques qui nous permettront d'assurer la durabilité de ces industries. Répondre aux normes environnementales européennes peut être prohibitif pour certaines petites entreprises et il y a aussi parfois un manque de connaissance des normes qui s'appliquent à chaque industrie. Et dans ce domaine, notre tâche consiste à assurer un cadre réglementaire prévisible dans ce domaine. Merci. À Monsieur Vicker, merci. Vous dire que les images que vous voyez sur les écrans de retour seront aussi disponibles, si vous souhaitez les télécharger éventuellement pour les publier sur le site de la conférence interparlementaire. Le lien vous sera envoyé un peu plus tard dans la journée. Avant de passer la parole à M. Vicker, M. Montaugé se prépare. La parole est à M. Vicker.
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, sur le fronton de la mairie de Bresse dans les Vosges, il est écrit « plutôt pauvre que vassal ». Paradoxalement, les habitants de Bresse sont relativement riches en France. Notre société est construite sur le fait que l'énergie n'est pas chère et que, en tant qu'ingénieur, cette réalité, avec les contraintes géologiques de notre planète, est l'essence même de mon investissement, l'essence, hein, c'est le mot pour le dire, de mon engagement politique. Je voudrais revenir sur un concept assez simple, qui est le concept de l'ASBL Négawatt, et je voudrais vous dire que nous avons besoin de trois choses pour réussir cette transition énergétique. D'abord, la sobriété. Regardons ce que font les meilleurs pays en Europe. Par exemple, le Danemark, avec des réseaux de chaleur, avec des transports publics efficaces, avec une demande en énergie alignée sur la production énergétique. Je pense que le Danemark nous montre une voie que nous devons suivre pour pouvoir diminuer de 30 à 40% notre consommation actuelle d'énergie. Ensuite, l'efficacité. C'est à nous, hommes politiques, à fixer les normes pour que les produits que nous utilisons, pour que la façon dont nous produisons l'énergie, pour que la façon dont nous utilisons cette énergie soit neutre en carbone, d'une part, et exclusivement européenne, en tout cas potentiellement, possiblement européenne. Enfin, les énergies, le troisième point de l'association Négawatt, c'est le renouvelable. Voyez mon badge, non au nucléaire. Je vous invite dans ce Sénat, à écouter plutôt la Cour des comptes que des influents pro-nucléaires. Merci, c'était important. Donc, le renouvelable sera la clé de notre indépendance, car le fossile est aussi fossile. Merci beaucoup. Merci. Madame Lotta Olsen se prépare. La parole est à Franck Montaugé. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat, chers collègues parlementaires, les secteurs énergétiques et miniers sont cruciaux pour que l'Union européenne atteigne la neutralité carbone à l'horizon 2050, on le sait. L'agression de l'Ukraine par la Russie démontre leur vulnérabilité. Elle place nos économies dans une situation de quasi-choc pétrolier et fait la démonstration de notre faible autonomie stratégique sur ce sujet. L'Union européenne a-t-elle d'ailleurs une stratégie en la matière, au-delà de ce que l'on peut constater pour le marché intérieur de l'électricité, qui est lui aussi sous pression par l'envolée des prix du pétrole et du gaz? Je regrette l'absence du commissaire européen en charge de cette question-là. Il aurait pu certainement y répondre. Quand la taxonomie verte classe la source nucléaire en énergie transitoire et non durable, comme les autres énergies décarbonées, on peut en douter. Quant à l'ajustement à l'objectif 55, je regrette que l'énergie et l'hydrogène nucléaire ne bénéficient pas d'une neutralité technologique par rapport aux autres énergies décarbonées. Je déplore aussi que les alternatives au gaz russe, telles que le biogaz ou le gaz naturel liquéfié, soient peu prises en compte, notamment dans les textes sur les énergies renouvelables, les biocarburants ou les infrastructures de recharge. Surtout, je constate que le paquet gazier doit être révisé pour tirer tous les enseignements de la crise russo-ukrainienne, car son volet sur la sécurité d'approvisionnement est trop limité. Je souhaite aussi que pour le marché européen de l'électricité, la révision du principe du coût marginal liant le tarif de l'électricité à celui du gaz aboutisse. Il faut agir d'urgence sans attendre la remise en avril annoncée d'un rapport de l'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie. Enfin, j'espère que la crise actuelle sera l'occasion de dresser le bilan de la libéralisation du secteur de l'énergie et de l'améliorer structurellement au bénéfice premier du consommateur en termes de prix et de qualité de service. L'enjeu est désormais d'assurer la sécurité d'approvisionnement à des coûts acceptables pour nos concitoyens, non de désintégrer nos
énergéticiennes nationaux, tels qu'EDF pour nous en France, ou d'ouvrir nos concessions, notamment hydroélectriques, au nom de la concurrence. Je vous remercie. Merci. Monsieur Erkens se prépare et la parole est à Madame Lotta Olsson pour la Suède. Thank you so much for the floor. Merci infiniment de me donner la parole et également merci pour cette conférence très bien organisée. Les sujets que nous discutons aujourd'hui sont des sujets très importants. Il faut renforcer l'autonomie stratégique européenne et c'est encore plus important aujourd'hui qu'il y a quelque temps. La transition verte reposera sur des nouvelles technologies et il est important dans ce domaine que nous prenions conscience des faiblesses et des vulnérabilités de l'Union européenne en termes d'approvisionnement en métaux rares. C'est également crucial du point de vue de la sécurité, pas seulement du point de vue économique. Nous sommes face à l'invasion de l'Ukraine aujourd'hui et pour mon pays, il est important de contribuer le plus possible et de viser également la considération environnementale. La Suède représente 93% du fer produit dans l'Union européenne. Nous avons des entreprises d'État et cette entreprise a entrepris le recyclage des déchets de l'extraction minière qui permet d'extraire 5 fois plus que les besoins de phosphore et de plastonide. De plus, donc en plus des déchets de l'extraction minière, la Suède contribue également pour 30% aux métaux rares utilisés dans les aimants qui sont utilisés dans l'éolien et le solaire. Mais bon, malheureusement, il faut que je m'arrête là. Mais en tout cas, en Suède, nous attendons avec impatience d'organiser pendant la présidence suédoise une grande conférence à Stockholm en juin prochain. Et nous vous attendons tous avec impatience. Merci. Monsieur Karitsis se prépare. La parole est à Silvio Erkens pour les Pays-Bas. Thank you. The invasion of Russia. Merci. L'invasion de l'Ukraine a mis en exergue notre dépendance cruelle vis-à-vis de la Russie sur de nombreuses matières premières critiques. Cela nous rend vulnérables et donc faibles sur le plan politique. Il faut se débarrasser de cette vulnérabilité que nous nous sommes auto-infligés. Et nous devons saisir cette opportunité de devenir autonomes, réduire ces vulnérabilités et réduire nos dépendances envers des pays qui sont nos rivaux. L'autonomie stratégique nous permettra de devenir un creusot d'innovation, de nouvelles technologies, et la transition énergétique a besoin d'un vrai leadership politique afin de prendre des risques et d'agir rapidement, mais un leadership également pour ne pas exclure les technologies dont nous avons besoin dans cette transition. Il faut investir dans le nucléaire, mais aussi le géothermique, le solaire, l'éolien. Nous avons besoin de tout. Le défi est immense, les enjeux sont immenses. En ce qui concerne les métaux rares, nous devons également agir de façon urgente. Nous ne pourrons pas rester dépendants de la Russie ou de la Chine pour ces ingrédients clés qui joueront un rôle critique dans la transition énergétique pour réduire nos dépendances. Il faut dépasser nos réticences envers l'extraction minière. Il faut se relever les manches. Nous pouvons extraire ces ressources dans l'Union européenne, mais d'une façon qui corresponde à nos normes de sécurité, nos normes sociales et nos normes environnementales. Et les politiques pour encadrer cela doivent être mises en place le plus vite possible. De plus, nous avons besoin d'incitations et de politiques permettant d'investir dans l'économie circulaire, réutiliser le lithium des batteries recyclées, c'est mieux que de l'importer. Et il ne faut plus exporter nos déchets de
haute valeur. Nous en avons besoin pour notre sécurité énergétique et notre économie circulaire. Nous pouvons réduire nos dépendances envers des pays rivaux. Nous pouvons réduire nos faiblesses, celles qui nous amputent depuis de nombreuses années. Il ne faut pas laisser passer cette opportunité historique. Il faut agir rapidement et transformer ces ambitions en réalité sous le leadership de la Commission européenne et montrer à nos rivaux que nous sommes forts. Merci. Monsieur Moniz du Portugal se prépare. La parole est à Alexandros Karitsis pour la Grèce. Thank you, Mr. Chair. Merci, Monsieur le Président. Je vais être très, très bref. Et je crois que cette discussion, elle est extrêmement intéressante. Et tout cela est grâce à votre discours sur la rareté, sur la dépendance, sur l'économie circulaire, les déchets. Et c'est une discussion qui va durer plusieurs années. Nous attendons de l'Europe qu'elle reste la figure de proue dans ce débat international sur les projets de relatifs à la transition verte. C'est une pierre angulaire de notre politique. Mais ceci étant dit, il ne faut pas se laisser distraire de la question principale qui doit nous préoccuper aujourd'hui. Et cette question, c'est le prix de l'énergie. Pour l'instant, l'économie européenne est face à un danger existentiel avec la flambée des prix de l'énergie qui ont atteint des niveaux au-delà du raisonnable, des niveaux jamais vus. Et tous les pays européens y font face. Dans mon pays, en Grèce, le danger est encore plus important. Il faut une stratégie sur ce point-là et pour l'instant, je ne la vois pas. Et si la Commission est avec nous, elle pourra peut-être y répondre. La semaine dernière, à la réunion au sommet des 27 pays européens, il y a eu une discussion sur les eurobonds, par exemple. Il faut que cette stratégie se fasse jour. Il faut contrôler les prix parce qu'ils constituent une menace très importante pour l'économie européenne dans son ensemble. Mr. Ledin is getting ready. La parole est à Paulo Moniz pour le Portugal. Thank you, dear President, distinguished President. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Je voudrais soulever ici la question des îles et des régions les plus reculées d'Europe. Certaines situations, il est extrêmement difficile d'appliquer l'indépendance et l'autonomie énergétique. On ne peut pas forcément relier nos réseaux et nous devons donc développer des systèmes qui peuvent contrebalancer le manque d'énergie, les énergies renouvelables qui sont volatiles, par exemple. Et il faut donc investir dans des capacités de stockage afin de garantir la continuité de l'approvisionnement. De plus, dans les îles, et ça, c'est quelque chose de très important qui, à mon sens, n'a pas été couvert dans nos discussions. Le problème qui se pose, c'est aussi un problème environnemental. Nous avons, dans les eaux profondes, les réserves les plus importantes de métaux précieux en Europe. Et il faut s'intéresser aux conditions de l'extraction de ces minaux, pas seulement les questions environnementales, mais pour des questions aussi de souveraineté. Il faut exploiter ces richesses qui peuvent bénéficier aux populations voisines. Et ça, c'est quelque chose que l'Europe occulte d'une certaine façon. Parce qu'il y a de nombreux défis pour les îles. Il n'y a pas que le Portugal qui a des îles dans les zones très reculées de l'Europe. L'Espagne en a également. Donc, j'en appelle à vous pour que nos discussions et nos réflexions stratégiques prennent en compte ce défi immense que représentent les îles dans le domaine énergétique. Et si l'on veut que l'Union européenne mérite véritablement son nom d'union, il ne faut pas oublier les îles. Merci.
Mr. Brian Ladin, d'Irlande. Merci, Monsieur le Chairman. Merci, Monsieur le Président. Madame Prima et Monsieur Pitron ont souligné le fait que la demande de métaux rares a fortement augmenté depuis l'électrification de nos économies cela représente un impact humain. Autant qu'un impact économique, je ne suis pas un expert des métaux rares et je vais lire avec beaucoup d'intérêt le livre de Guillaume Pitron. Mais cette crise augmente aussi, met en exergue aussi notre dépendance vis-à-vis du gaz l'importance de prendre de gérer la demande. Monsieur le commissaire Breton nous a enjoint à la session précédente à être plus économe et je crois que nous ne prenons pas suffisamment en compte la gestion de la demande. Une grande partie de l'énergie générée, qu'elle soit renouvelable ou d'origine fossile, et que nous consommons, est utilisée à des fins relativement peu productives. Dans le transport, par exemple, nous occultons complètement le fait que toutes les voitures, y compris les voitures électriques, sont profondément inefficientes. Jusqu'à 90% de la puissance est utilisée pour transporter la machine, déplacer la machine et non ses occupants. Et si nous optons pour les véhicules électriques, il faut encourager les modes les plus lourds et consommateurs d'énergie. Et il faut aussi se détourner le plus possible de la voiture individuelle. Si on ne le fait pas, on gaspille de l'argent, mais on rend aussi la transition verte plus difficile parce qu'on va devenir de plus en plus dépendant des métaux rares et de la production énergétique. Je suis d'accord pour dire que la taxonomie de l'Union européenne, elle est erronée. Il faut savoir utiliser l'énergie de façon plus efficace. Cela va faciliter le processus de décarbonation et réduire nos dépendances vis-à-vis des matières critiques stratégiques, dont les métaux rares. Monsieur Ribarski va se préparer et c'est Monsieur Pavic pour la Croatie, Monsieur Jelko Pavic qui va prendre la parole. Pavic, puis Monsieur Ribarski. Oui. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Les minéraux critiques n'ont pas été extraits depuis les années 60 en Croatie, mais notre potentiel était important en barite et en graphite naturel. Nous sommes conscients qu'en tant qu'État, mais également au sein de l'Union européenne, ensemble, nous devons investir plus d'efforts et de ressources dans la revitalisation de l'extraction. Et il faut tout particulièrement investir dans l'exploitation et le traitement. Il faut des sources alternatives et il faut également assurer la diversification des sources extérieures et combattre les restrictions commerciales. Cela nous permettra de mettre en place une politique européenne de bonne qualité. Nous soutenons bien sûr les avancées stratégiques et également les instruments de financement et les fonds de recherche pour le recyclage. Je voulais également souligner que, en ce qui concerne les semi-conducteurs, il y a un renforcement du partenariat avec la Corée du Sud et Taïwan qui nous paraît une solution utile. Et il faut renforcer les capacités européennes, bien sûr, et nous soutenons tous les efforts qui sont faits pour développer l'autonomie stratégique. Mais il faut également regarder d'autres sources potentielles qui ne dépendent pas de l'exploitation des métaux, d'extraction des métaux rares. Par exemple, l'utilisation de chanvre dans la production de batteries de chanvre dans la production des batteries selon des recherches canadiennes et américaines. Merci. Merci. Madame Soumalzo se prépare et la parole est à Radoslav Ribarski pour la Bulgarie. Thank you, Mr. Chairman. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs.
Je vais démarrer en soulignant des études récentes basées sur des données 2021 et conduites par l'Agence internationale de l'énergie qui disait que les véhicules électriques ont besoin de 6 fois plus de minéraux que les véhicules à moteur thermique et il faut 9 fois plus de métal pour les fabriquer de l'énergie solaire que de façon conventionnelle et nous aurons donc besoin de 50% de plus de ressources si, par rapport au niveau de 2010 si on développe les énergies renouvelables. Il faut souligner que les technologies vertes vont augmenter de 40% la demande de cuivre et de 70 et 90% pour le cobalt et le lithium. Et les pays qui nous fournissent les terres rares, le Pérou, l'Inde, l'Afrique du Sud, certains sont considérés comme des marchés émergents et leurs économies vont donc dépendre de leurs ressources sur des marchés peu réglementés et avec des conditions de travail assez mauvaises. En Bulgarie, nous, avec la ZEE dans la mer Noire, nous sommes le 4e exportateur mondial de cuivre raffiné et nous devons poser les choses très clairement. La transition vers des énergies propres va demander des ressources plus importantes et notamment des ressources en terres rares. L'exploitation de ces ressources dans l'Union européenne est possible. Il y a des ressources, mais il faut mener des recherches systématiques puisque cela nous permettra de sécuriser nos approvisionnements. Et dans ce processus, il est important de développer l'extraction minière et donc la réglementation européenne et la sensibilisation des populations. Soulignons également qu'une approche coordonnée au niveau européen jouera un rôle critique parce que chaque pays ne peut pas faire face à ce défi tout seul. Madame Nardi se prépare. La parole est à Madame Susana Sumelzo pour le Congrès des députés de l'Espagne. Bonjour, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais féliciter la présidence française pour l'organisation de cette réunion et pour avoir permis donc aux parlements nationaux de participer sur des sujets si importants comme l'énergie. Un sujet qui est bien évidemment très impacté par l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Et je crois qu'Europe doit agir tout de suite pour protéger les entreprises et les citoyens face à la crise énergétique. Nous vivons de véritables problèmes énergétiques avec d'abord l'augmentation du prix du gaz naturel et l'augmentation du prix de l'électricité due au fait que les deux sont liés. Et les États membres, nous avons essayé d'une façon ou d'une autre d'atténuer l'augmentation de cette facture pour les foyers dans nos différents pays. Mais pendant tout ce temps, nous voyons aussi qu'il n'y a pas véritablement de réponse. Et je crois qu'il y a 3 points de départ qui ne sont pas corrects. D'abord, on a pensé que la crise allait être courte, que le marché s'autorégulerait et que les budgets nationaux étaient en mesure de supporter cette crise. Eh bien, on se rend compte que l'on perd en compétitivité dans l'industrie européenne. On voit que l'inflation ne cesse d'augmenter. On voit aussi que l'on vit un véritable risque, une mise au banc, en quelque sorte, de l'agenda écologique verte. Et les citoyens se demandent pourquoi et où va l'argent qu'ils payent en plus pour avoir de l'électricité ou du gaz. Et donc, une certaine désaffection donc, du public. Nous défendons un véritable débat au niveau européen dans la sérénité pour pouvoir avoir des accords dans la matière. Il faut éviter des distorsions du marché et il faudrait aussi isoler le gaz de l'électricité pour la définition des prix.
Il faudrait trouver un mécanisme d'achat centralisé avec des réserves de gaz. Et nous demandons une accélération de la transition écologique, mais qui soit juste, vers une décarbonisation, vers une réduction du prix de l'énergie et vers un emploi durable. Et tout cela parce que le citoyen doit être au centre de toute notre politique en matière de climat. Je vous remercie. Merci. Alors, c'est Jeanne Sanquelo qui se prépare et la parole est à Madame Martina Nardi pour l'Italie, la Chambre des députés. Grazie, signor Presidente. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi pour les contradictions que vous nous avez montrées aujourd'hui sur la transition écologique qui montre notre hypocrisie et qui nous pose devant la grande question. Il est clair que nous voulons aller vers un monde plus vert, un monde qui est moins pollué, mais nous sommes aussi conscients de la difficulté, une difficulté qui a émergé et tous les points critiques que nous avons pu noter, les cinq points critiques, l'inflation due au prix plus cher, la pénurie de certaines matières, la dépendance des pays extra-européens et la pollution dans d'autres pays. Et le cinquième point critique, la réponse, comme il était bien dit, l'économie circulaire, développer des bonnes pratiques, mettre en œuvre des politiques qui rendent possible une économie circulaire. Par exemple, l'Italie est très forte sur les débris des voitures. Nous sommes bons en récoltant et en traitant les débris des voitures. Il serait important de limiter à travers certaines politiques, limiter l'exportation de ces débris dans des pays extra-européens. Il faudrait favoriser une chaîne de récupération de ces débris en Europe. Nous devons intervenir sur deux fronts. À court terme, d'abord, il faut découpler le gaz de l'électricité par rapport à la facture énergétique. Même chose sur le stockage et les achats, comme le commissaire nous a dit. Mais nous devons aussi travailler sur le moyen terme, une utilisation consciente de l'énergie. C'est une bonne proposition. L'Italie, et j'ai terminé, a entamé un grand processus, le processus du super bonus, un financement pour l'amélioration de nos immeubles, des bâtiments en général. Merci beaucoup. Monsieur, on peut l'applaudir, effectivement. Grazie mille. Monsieur Arvanilitis va se préparer et je passe la parole à Monsieur Janne Sankelo, de Finlande. Monsieur le Président, très chers amis, nous avons parlé des matériaux rares, des matières rares, mais j'aimerais ouvrir un petit peu le débat. L'Union européenne devrait être indépendante sur le plan énergétique à l'avenir. Pour ce faire, on aura besoin de davantage d'énergie nucléaire, d'énergie solaire, d'énergie renouvelable et de nouvelles technologies. Il est important de bien comprendre quelles sont les ressources énergétiques dont nous disposons et qui sont disponibles dans différentes parties de l'Europe. Par exemple, dans le nord de l'Europe, nous avons la biomasse, l'énergie forestière. Tout cela fait partie de notre système énergétique. Nous essayons désormais de comprendre ce qui se passe. Eh bien, si nous coupons un arbre, nous en plantons un nouveau. Et ça, c'est un bon système. La spécialité de la Finlande, c'est l'énergie thermique. Et c'est important pour la production alimentaire également. Nous avions pour plan de
changer notre mode de production d'énergie en Finlande. Je n'étais pas d'accord à l'époque. Mais du fait de la guerre en Ukraine, les choses ont totalement changé. Et j'espère que chaque pays envisagera toutes les possibilités qui existent dans leur pays, notamment la tourbe, comme on l'a fait en Finlande. Donc, il est important d'être unis. Il est important d'en revenir aux bases au sein de l'Union européenne. Donc, la sécurité énergétique et l'alimentation en premier. Monsieur Opreas se prépare pour la Roumanie. La parole est à Georgios Arvanidetis, de la Grèce. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Très chers collègues, n'oublions pas que l'Union européenne a démarré avec l'Union du charbon et de l'acier. C'est le charbon qui nous a unis. C'est la décarbonisation qui nous réunit aujourd'hui encore de façon plus étroite. Nous devons définir une nouvelle stratégie d'autonomie énergétique. L'énergie renouvelable, c'est la priorité pour surmonter la crise actuelle. Il faudra réduire les prix de l'énergie et devenir autonome. Bientôt, nous aurons besoin de lithium et de cobalt pour construire des panneaux solaires, des éoliennes ou des batteries. Mais, bien entendu, nous devons nous assurer que tout cela soit bien fait, tout en faisant preuve de responsabilité sur le plan social et environnemental. Néanmoins, une fois que le panneau solaire a été construit et qu'il a été installé, eh bien, il va être en place pendant un quart de siècle et il suffira que le soleil se lève le matin pour que de l'électricité soit produite. Et donc, cette transition vers le solaire et l'éolien permettra de libérer moins de carbone dans l'atmosphère et cela nous permettra d'économiser de l'argent également. Et ce modèle d'énergie renouvelable donnera le monde plus démocratique parce que les participants seront nombreux. Et ce sera un système plus équitable parce que personne ne sera laissé sur le bord de la route. Et nous sommes d'accord avec la proposition de la Commission européenne. L'utilisation des euro-obligations, lorsque ça a été proposé par la Grèce, pendant la crise financière, était un tabou à l'époque. Maintenant, on discute de ce sujet. Et ce n'est pas une justification politique de notre proposition, c'est une question existentielle, importante pour l'Union européenne en tant que telle. Il faut pouvoir suivre ce chemin. Merci beaucoup pour relever les défis de l'avenir. Alors, M. de Metzmecker se prépare. La parole est à Stéphane Radu Oprea, de la Roumanie. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Nous avons déjà été surpris plus d'une fois récemment. Tout d'abord, avec la pandémie de COVID qui a révélé la fragilité de nos chaînes d'approvisionnement. Nous avons également le problème des métaux rares en Europe et cela serait une possibilité d'emploi. La Roumanie, par exemple, est un pays dans lequel on trouve du graphite et des métaux rares. Donc, nous devrions améliorer les méthodes d'extraction afin de pouvoir relever les défis climatiques. Pas besoin d'abandonner nos valeurs, mais nous devons trouver le bon équilibre entre les emplois, la protection sociale la meilleure possible et un avenir vert. Deuxièmement, nous avons été surpris par l'inflation des prix de l'énergie. Nous voulions promouvoir des solutions qui n'interféraient pas avec le marché, mais visaient à protéger les consommateurs vulnérables. Néanmoins, ce qu'il faudrait faire, lorsque la classe moyenne et les PME seront impactés également, eh bien, qu'est-ce que l'on fera? Parce que prendre de l'argent l'un pour le donner à l'autre ne résout pas tant le problème. Les budgets ne sont pas infinis. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne devrait mettre en place des mesures courageuses, structurelles, pour s'attaquer à la cause
et pas simplement se contenter de solutions court-termistes. 96% des Roumains s'inquiètent du montant de leurs factures énergétiques. Cela met le budget national sous pression et on aide pour l'instant la population, on ne peut pas le faire jusqu'à la fin de l'année. Donc, une prévisibilité de ces prix n'est pas à l'ordre du jour compte tenu de la guerre à nos frontières. Donc, quoi faire? Il faudrait voir le mix énergétique de chaque État membre pour trouver des solutions. Par exemple, en Roumanie, 20% de l'électricité est fournie par des centrales au charbon. Nous devrions pouvoir utiliser le charbon pour produire de l'énergie pendant une période qui nous permettra de mettre en place des nouvelles capacités nucléaires et de gaz renouvelables, en ayant à l'esprit que le charbon garantit la sécurité énergétique, car on peut y faire appel rapidement. Alors, nous devons l'utiliser de façon sage et investir en même temps dans l'efficacité énergétique. Sinon, il y aura beaucoup de gaspillage. Enfin, la valeur de l'investissement dans l'efficacité énergétique ne devrait pas être inclue dans le déficit budgétaire. Les États membres, eh bien, attendent d'eux qu'ils investissent plus dans ce secteur. Higgins is getting ready. Merci, Madame Higgins se prépare à prendre la parole. Est à Mark de Messmaker pour la Belgique, le Sénat. Mr. Speaker, please, as a point of order. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Point d'ordre. Alors, dans la liste d'orateurs, on voit que j'apparais comme étant membre SED, mais ce n'est pas correct. C'est assez ennuyeux comme problème. C'est une question assez sensible. Donc, c'est une erreur dans la liste. Je vous prierai de la corriger. Cela étant, alors nous réalisons tous soudainement que l'énergie peut servir d'arme géopolitique. Et nous avons peut-être été somnambules pendant trop longtemps au sein de l'Union européenne. Une crise, c'est un moment de changement drastique. Et c'est là qu'il faut en profiter pour opérer des changements. Je pense que dans notre cas, il faut se libérer plus rapidement de des énergies fossiles provenant de Russie. Il faut également investir dans l'efficacité énergétique, les renouvelables, les solutions hydrogènes et également le nucléaire. Je sais que dans un nombre de pays, y compris le mien, cette option fait toujours l'objet de controverses. Pour ma part, je suis convaincu que nous devons investir dans l'avenir, dans la R&D. Mon pays a un centre de recherche de renommée mondiale. Eh bien, partageons ce savoir-faire et encourageons et finançons la recherche. Pour ce qui est des métaux rares, deux choses. Je crois qu'il est important d'encourager la recherche avec pour objectif de réduire, voire même d'éliminer l'utilisation des métaux rares. Ces travaux de recherche, financés au moyen de fonds européens dans le secteur de l'éolien, permettent déjà d'obtenir des résultats. Deuxième chose, nous devrions insister sur l'aspect de la circularité. Le développement de l'économie circulaire au sein de l'Union européenne doit être plus intelligente, plus rapide, et c'est possible. Mon pays est en avant-garde de l'activité des mines urbaines. Il s'agit de collecter les batteries de téléphone, par exemple, de collecter les appareils électriques. Et nous avons de tels programmes en place qui sont financés par les consommateurs. Par exemple, 74% des batteries usagées en Belgique sont triées et collectées. Cela est bien au-delà des objectifs européens. Bien, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que lorsque j'étais parlementaire européen, j'étais rapporteur sur le paquet économie circulaire. Ma frustration à l'époque, alors pas au niveau du Parlement, parce que le Parlement faisait preuve d'ambition, mais un certain nombre d'États membres étaient réticents à l'idée de mettre en place les efforts nécessaires pour augmenter leur niveau d'ambition. Et je pense qu'il y a encore du travail à faire dans ce domaine. Merci. Monsieur Otto, pour la Finlande se prépare. La parole est à Madame Alice Mary Higgins. Okay. Très chers amis, j'aimerais remercier le Sénat de nous accueillir. Et j'aimerais remercier également Monsieur Breton.
Je crois que c'est un rappel, une fois de plus, que le climat et les matériaux précieux n'existent pas sans l'économie, mais c'est ce qui nous entoure, au-dessus de nous, en dessous de nous. Eh bien, c'est ce qui doit servir de limite à notre économie. La seule économie possible est une économie circulaire au moyen d'énergies renouvelables. Et dans ce contexte, nous devons vraiment regardez les choses honnêtement. Lorsque l'on se débarrassera du pétrole et du gaz, il ne faudra pas les remplacer par d'autres énergies fossiles. Et le processus européen, donc avant la crise au cours de laquelle la Russie a malheureusement envahi l'Ukraine, eh bien, les Européens demandaient l'indépendance de l'Europe sur le plan énergétique et demandaient l'investissement dans des énergies vertes. Donc, dans ce contexte, les citoyens européens ont également demandé qu'il y ait de nouvelles règles pour ce qui est des chaînes d'approvisionnement, des choses plus éthiques, plus sociales, donc sur le plan du marché intérieur, mais également au niveau des importations. Malheureusement, le projet de loi européen sur la due diligence et les chaînes d'approvisionnement n'est pas assez ambitieux. 99% des entreprises sont exonérées. Et il y a des manquements dans le projet de loi et cela ne permet pas aux sociétés dans le monde qui approvisionnent nos chaînes d'approvisionnement de bénéficier d'une justice sociale. Donc nous devons véritablement changer les choses. C'est un peu comme si on avait un éléphant dans la salle, n'est-ce pas? On essaye de prendre les meilleures décisions pour l'Europe et pour nos pays sur le plan énergétique. Eh bien, c'est le traité sur les chargeurs. Eh bien, on ne peut pas se permettre d'avoir pris des décisions et d'être menacé par des mécanismes de recours commerciaux et de différends commerciaux qui nous empêcheraient de prendre les décisions nécessaires. Donc, il faut être franc et s'attaquer à ce problème. Et je vous remercie. Alors, notre dernier orateur sera M. Oliveira, mais avant, j'appelle M. Heikki Auto de la Finlande. Monsieur le Président, très chers collègues, je viens de Laponie, tout au nord de l'Union européenne. La Laponie est connue pour sa nature magnifique et pour ses lumières, mais ne sont peut-être moins connues pour notre industrie minière et nos ressources naturelles qui sont pourtant essentielles à l'économie européenne. La Laponie, en Finlande et en Suède, est un endroit où on trouve des matériaux qui revêtent une importance stratégique pour les industries européennes. Donc, ces régions qui sont tout au nord de l'Union européenne ont la possibilité de fournir à l'Union européenne la possibilité de renforcer la base industrielle, d'accélérer la transformation des économies et d'accroître l'indépendance vis-à-vis de la Russie et de la Chine. C'est la raison pour laquelle nous devons véritablement s'intéresser à l'aspect compétitif de ces régions. Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais insister à ce stade. Nous ne voulons pas que l'Union européenne limite le recours à nos ressources naturelles locales. Nous insistons sur l'importance du principe de subsidiarité dans le processus de prise de décision. Nous pensons que nous savons de quelle façon nous pouvons protéger en même temps la nature et la biodiversité tout en utilisant les ressources de manière durable. La Commission européenne peut compter sur nous sur ce point. Très chers collègues, maximiser la sécurité européenne, c'est un objectif primordial à l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle, en Finlande, nous nous demandons si nous devons rejoindre l'OTAN. Ce serait peut-être une occasion à saisir pour l'ensemble des membres de l'Union européenne. Il faudrait rejoindre l'OTAN. On a besoin d'une Union européenne qui soit unie, solidaire, afin de pouvoir mener la voie vers la liberté, la démocratie, les droits humains et le développement durable dans le monde entier. Merci. Et alors, pour terminer ces prises de parole, M. Jorge Paulo Oliveira, de Portugal. Monsieur le Président, très chers collègues, la guerre en Ukraine a mis à jour notre dépendance extrême vis-à-vis de la Russie.
Et cela est un problème pour ce qui est de la sécurité énergétique. J'aimerais vous rappeler que le Portugal et l'Espagne peuvent être une solution alternative pour résoudre le problème de l'approvisionnement en gaz en Europe et pour réduire nos importations depuis la Russie. Le Portugal et l'Espagne sont en mesure de recevoir le gaz dont l'Europe a besoin, du gaz fourni par les pays africains et par les États-Unis d'Amérique, par la mer. Le problème, c'est ensuite de l'acheminer vers la France et vers le reste de l'Europe. Mais ce problème peut être surmonté si, dans le cadre européen, nous trouvons des solutions qui permettent d'améliorer l'interconnexion entre le Portugal et l'Espagne, puis entre l'Espagne et le reste de l'Europe. Un sujet qui, comme nous le savons, est déjà ancien et dure depuis un certain temps. Le moment est venu, je pense, de parler de ce sujet à nouveau et c'est véritablement la tâche ou la question que je vous pose à tous, très chers collègues. Merci. Avant de repasser la parole à M. Pitron, d'abord, je voudrais vous remercier tous et toutes. Vous avez été extrêmement disciplinés sur le temps de parole, plus que les députés français. Je ne sais pas si les sénateurs le sont autant, mais quand je préside la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, il me faut parfois être un peu plus usagé de cet outil. Donc, merci à tous et à toutes. Et surtout, vous avez été un certain nombre d'entre vous à remercier la présidence française pour l'organisation de ces débats. Et donc, je voudrais vraiment remercier, en fait, ceux qui ont vraiment travaillé pour organiser cette session, les fonctionnaires du Sénat qui sont autour de moi et Madame la Présidente Sophie Prima de la Commission des affaires économiques. Donc, merci à tous et à toutes. Voilà, Monsieur Pitron, si vous voulez reprendre la parole pour évoquer l'ensemble des nombreux sujets évoqués, vous pouvez le faire de la tribune ou de la salle, comme vous le souhaitez. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, merci pour ces échanges très, très riches. De combien de temps est-ce que je dispose pour répondre ? 2h30. Non, 15 minutes à peu près. Je vais vous prendre au mot, attention. 10-15 minutes. Je vais essayer d'être court. Beaucoup de sujets ont été évoqués. Je vais essayer de les reprendre de façon thématique. D'abord, une chose a été dite par M. Arvanitidis de Grèce, et c'est vraiment important de le redire, cette transition énergétique, bien évidemment, doit être réalisée. Parce qu'il y a des arguments ici pour remettre en cause la transition énergétique et pour dire qu'il faut rester dépendant du pétrole et du charbon. Et évidemment, ce n'est pas le message que nous portons tous ensemble. Cette transition doit être réalisée. Un monde d'énergie verte est un monde avec beaucoup de défis, mais c'est un monde que je préfère à un monde dans lequel nous serions dépendants du pétrole et du charbon. Un point, cependant, a été évoqué, très intéressant, par M. Visniauskas de Lituanie, c'est sur la question du coût écologique de la voiture électrique. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, parce que la voiture électrique n'est pas propre, elle n'est pas verte, elle n'est pas à zéro émission. Nous avons l'illusion de ne pas polluer quand nous roulons, alors que pour autant, la pollution se trouve ailleurs. Et la voiture électrique est aussi propre que les métaux qu'elle contient. Elle est aussi propre que l'électricité à la borne de recharge qui permet de recharger la batterie de la voiture électrique. Et donc je préfère un monde de voitures électriques à un monde thermique. Mais vers quelle nouvelle pollution allons-nous avec ces véhicules ? Pollution minière, donc pollution des eaux, pollution des sols. Des sujets qui sont très mal formalisés, très mal pour lesquels on manque d'informations. Et je pense qu'il y a un véritable défi, en revenant à mon précédent point sur la vérité écologique des technologies, d'insister sur, de creuser la connaissance, de développer notre connaissance sur ces nouveaux défis écologiques qui nous attendent. Un point a été souvent répété autour de la dépendance énergétique autour de la Russie et de l'Ukraine, notamment par M. Montaugé, mais également M. Erkins, M. Sankelo et M. Oliveira. Il n'est pas seulement d'ailleurs dépendance avec cette transition énergétique de dépendance au gaz ou au pétrole russe. Il est question aussi de dépendance à certains métaux et minéraux extrêmement stratégiques. La Russie produit du palladium, elle produit 10% du nickel, et les prix du nickel ont explosé ces dernières semaines aussi parce qu'il y a un risque que le nickel soit moins exporté vers l'Europe. L'Ukraine est un potentiel producteur de lithium. On a vu une entreprise australienne, dont le nom est European Lithium, vouloir se positionner sur un gigantesque gisement de lithium dans la vallée, dans la région du Donbass, donc en Ukraine, promettant qu'elle allait commencer à l'exploiter d'ici la fin de l'année.
Alors, naturellement, ça n'aura pas lieu. Ça ne veut pas dire que notre dépendance à ces... ça ne veut pas dire que notre approvisionnement en métaux est fragilisé, parce que c'était une exploitation potentielle. Elle n'avait pas cours. Mais c'est vous dire aussi à quel point l'Ukraine est un pays riche de ses matières premières et que forcément, eh bien, ne pas bénéficier du lithium ukrainien, c'est aussi un enjeu de fragilité autour de nos approvisionnements. Il a été question d'un autre défi autour de la transition énergétique, c'est celui des tensions sociales autour des prix élevés de l'énergie et la nécessité d'une transition économique énergétique, pardon, plus juste. Je reviens à un événement qui nous a tous frappés en France et peut-être en Europe, c'est la question des gilets jaunes. Les gilets jaunes, quand ils sont sortis dans la rue en France, ils se plaignaient d'un prix trop élevé de l'essence. Mais pourquoi est-ce que l'essence, le prix de l'essence était renchéri? Mais c'est parce qu'il fallait financer la transition énergétique. Est-ce que la crise des gilets jaunes en France n'est pas la première crise sociale autour de la transition énergétique? Moi, je le lis de cette manière-là. Et c'est vous dire à quel point, effectivement, il y a un risque d'une transition énergétique qui ne soit pas forcément équilibrée, qui profite à certains plutôt qu'à d'autres, et où, finalement, les perdants et les gagnants seraient suffisamment mal répartis au point que ça générait de nouvelles tensions sociales. Pour autant, il y a des solutions, et ça va être les derniers points que je vais évoquer. D'abord, celui des mines en Europe. Et il a beaucoup été question, dans vos interventions, de ces mines, de ce potentiel minier européen et de la nécessité, de l'obligation, je dirais même, de développer ce que l'on appelle des mines responsables. Les mines propres, ça n'existe pas. Ce sera toujours sale, une mine. Mais on peut faire une mine plus responsable. Et cela, ça a été évoqué, notamment par M. Rybarski, M. Oprea, M. Otto et M. Pavic. J'ai oublié de préciser que les tensions sociales, c'était évoqué par M. Karitsis et Mme Soulelzo. Toujours est-il que sur l'aspect mine en Europe, il y a un énorme potentiel. L'Europe, déjà, commence à produire du lithium. Elle pourrait produire tout à fait des terres rares. Elle pourrait extraire du cuivre. Elle extrait déjà du fer et ainsi de suite. Il y a un potentiel que l'on ne connaît pas forcément parce que notre culture minière a disparu ces dernières décennies. Mais la question qui se pose, c'est celle de l'acceptabilité sociale de ces mines. Le potentiel minier est là, mais comment est-ce qu'on va l'extraire? C'est la différence entre la théorie et la pratique. Dans le Finistère, en France, on a découvert une mine de lithium, un gisement de lithium. Mais personne n'a envie d'extraire du lithium en France pour rouler dans une voiture électrique. Et donc, en fait, la question n'est pas tant celle de savoir si la ressource est disponible sur le plan théorique, d'un point de vue géologique, que celle de savoir s'il va y avoir une suffisante acceptabilité sociale des mines pour être capable de la part des populations riveraines, pour être capable d'aller dans cette direction. J'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de déjeuner avec le PDG de Anglo American, une grande entreprise minière. Et il me disait que la question de l'acceptabilité sociale des mines par les populations riveraines, c'est un enjeu clé pour l'avenir de la production minière. Et moi, je pense que le goulet d'étranglement, il est là. Ce n'est pas tant un goulet géologique. Il y a suffisamment de métaux pour nourrir l'humanité pendant des décennies, même des centaines d'années. Et finalement, à mesure que nous creusons et explorons, nous allons découvrir encore plus de gisements qu'aujourd'hui. La question, c'est le goulet d'étranglement autour de la question de l'acceptabilité sociale des populations riveraines et donc les réformes des codes miniers qui permettent de rendre la production plus durable. Un point a été évoqué également, ce sera l'avant-dernier point que je voudrais évoquer, c'est celui du recyclage, beaucoup évoqué par M. Dunava, Mme Olson, M. Pavic, M. Demersmaker, mais également Mme Nardi. La question du recyclage est fondamentale, vous l'avez dit. Mais le problème des métaux, c'est que c'est le seul business que je connaisse où l'occasion vaut plus cher que le neuf. C'est un business dans lequel il est tellement compliqué et cher de recycler ces matières premières que finalement c'est plus intéressant de retourner à la mine. Comment est-ce que moi, j'investis dans une infrastructure de recyclage de tel ou de tel ou de tel métal demain? L'exemple a été pris sur le modèle de la Flandre tout à l'heure, qui est un géant, justement, en Europe, leader sur la question du recyclage. Mais ça implique d'avoir déjà précisément décidé sur quel métal on va investir de la manière la plus compétitive possible. Ça implique de mettre des investissements absolument colossaux. Et puis, ça oblige à décider à parier sur un métal en particulier dans 10, 20 ou 30 ans, puisque nos investissements sont censés être rentables à 10, 20 ou 30 ans. Mais qui sait si le lithium sera aussi stratégique dans 10, 20 ou 30 ans? Qui sait ce qu'il en sera du cobalt et demain des terres rares? Nous vivons dans un monde de disruption, mais la disruption, paradoxalement, est un frein à l'innovation.
parce que c'est difficile de faire un investissement si lourd à long terme pour être capable de dire je fais confiance au marché pour trouver une destination économique à tel ou tel métal. Et c'est là pour vous dire à quel point il y a une difficulté ici quant à la difficulté d'être plus compétitif que le secteur des matières premières primaire, il est aussi colossal puisqu'il va falloir aussi faire confiance dans le marché pour suffisamment valoriser la matière secondaire par rapport à la matière primaire. Et donc cela aussi est très difficile quand on voit les hausses et les baisses, les variations très fortes de prix sur les matières primaires qui du jour au lendemain peuvent rendre le recyclage compétitif ou parfaitement non compétitif sur le plan économique. Donc il y a des politiques de long terme à mener mais qui évidemment passent par un renchérissement artificiel par la loi, par la fiscalité, par les labels, par l'accompagnement de la valeur de ces minerais secondaires de façon à ce qu'ils soient sur le long terme mieux valorisés qu'ils ne le sont actuellement et plus compétitifs par rapport à la matière primaire. Et c'est là le rôle essentiel de l'État. Un dernier point passionnant, celui qui a été évoqué par M. Moniz du Portugal, c'est la question du deep sea mining, de l'extraction des métaux dans les océans. Alors, oui, il y a des réserves absolument considérables de ces métaux dans les océans. C'est vous dire à quel point les métaux rares ne sont pas rares. Il y aura toujours un gramme de métal à aller chercher quelque part. La France a le deuxième plus grand territoire marin au monde, mais le Portugal, compte tenu de son histoire, sait regarder vers les mers et sait ce potentiel. Là, personnellement, monsieur le parlementaire, je vais vous dire que je suis pour les mines en Europe sur les terres émergées, autant je me positionne plutôt contre les mines sur les territoires immergés. Voilà pourquoi. Parce que en tant que citoyen, moi je me rappelle quand j'ai vu ces belles images des accords de Paris, qu'il y avait comme un consensus et une philosophie autour de l'idée qu'on allait réduire l'empreinte de l'homme sur l'environnement. Or là, on me parle d'aller extraire des métaux dans les nodules polymétalliques au large du Pacifique, dans le Pacifique, pour rouler dans des SUV électriques. Et je me dis, si on fait ça, si on va étendre la main de l'homme sur l'environnement pour la transition énergétique, est-ce qu'on n'est pas en train de finalement nier quelque part et de revenir à contre-courant de la promesse de la transition énergétique qui était précisément de limiter notre empreinte sur l'environnement? Donc ce n'est pas pour des raisons économiques ou même environnementales que je me positionne contre, c'est pour une raison symbolique parce que je pense que si on dépasse ce plafond, alors je pense qu'une symbolique saute qui est celle d'essayer de vivre mieux mais avec moins. Voilà, je vous remercie. Merci, merci Monsieur Pitron. Je pense que vous avez tout très. Grazie. Lei ha affrontato tutti i punti in maniera sintetica, chiara e colta. La prossima fase importante è quella del pranzo. La seduta è tolta. Potete uscire dalle porte qui dietro e sarete accompagnati. E nel luogo dove avete cenato ieri sera. Buon appetito, a presto.